offensif, 0-6 avec. On l'avait un petit peu annoncé, hein. Ludovic Fabregas dans le bloc central. C'est Lucrezi. Grave attention, Nioka seul. Alors ça, la formation est à 42%. Alors en termes statistiques, ça a largement descendu. Mais c'est vrai qu'il est moins présent. On voit les Montpellierains plus à l'aise dans le duel face à Cyril Dumoulin. Ça devait arriver. Peut-être des Montpellierains aussi plus à l'aise, car souvent en supériorité numérique et du coup avec des positions qui sont plus faciles à négocier que celles qu'ils ont négociées depuis le début du match. C'est QMD. Merci beaucoup. Nicolas Salah. Florian Delcroix. Repoussé par Valentin Porte avec autorité. Voyez l'exclusion pour 2 minutes qui va s'arrêter là. Mahmoud Garbi qui fait son retour. On est en égalité numérique. 2 minutes 20 à disputer. Tous les ballons vont être chers, chauds. On n'était pas passé loin. Oh, quel but, Chilebo ! Oh, Chilebo ! Du terme, capable de choses que les autres ne peuvent que rêver. Alors ce n'est pas toujours. Par Luka Stepančić. Le travail de croisé pour Nikola Karabatic qui permet à Luka Stepančić de trouver. C'est difficile. Le renversement, pas de solution pour Balaguer. Gourbindo prêt. Oh, la passe extraordinaire de Niokas. L'effet Omeyer. Vous voyez, ce n'est pas pour rien que je vous disais que ces deux joueurs se connaissent parfaitement, Thierry Omeyer et Dominique Klein, pour avoir longtemps évolué ensemble en club. Et leur confondu en France. C'est la troisième fois que Nantes réalise cet exploit. Niokas. À bonne distance, Niokas, cette fois. À la suite d'un engagement rapide. En retard, on l'a vu, en Balaguer qui va venir proposer une solution. La feinte sur Niokas. Ouais, l'hésitation de Nicolas Clerc. Mal embarqué cette attaque nantaise. Oh, superbe le tir l'assaut. Le tir l'assaut, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que vous voyez, là, il n'y a aucune solution. Oui. L'Espagnol, Nicolas Clerc, hors secteur. Il est passé facilement.